lors de l'interview accordée à Oprah Winfrey en mars 2021, Meghan Markle a dévoilé que ses relations avec la famille royale britannique avaient été sérieusement affectées par des comportements qu'elle considérait racistes. Ces révélations ont, selon un expert royal, provoqué une grande colère chez le prince William. Cette interview avec Oprah Winfrey a marqué un tournant important. En mars 2021, le prince Harry et Meghan Markle se sont exprimés ouvertement dans une interview télévisée avec la célèbre présentatrice américaine. Au cours de la discussion, les Sussex ont accusé certains membres de la famille royale de racisme, notamment en ce qui concerne leur fils Archie et la couleur de sa peau. Arthur Edwards, un photographe travaillant pour The Sun et spécialiste des clichés de la famille royale, a indiqué que le prince William avait été très contrarié après avoir regardé l'interview. « Je savais que la reine et le prince Charles seraient furieux. Ce serait tellement injuste parce qu'ils ne sont pas racistes. » Ils ne le sont vraiment pas, a déclaré Arthur Edwards lors de l'émission The Sun's Royal Exclusive Show, diffusée sur YouTube le 23 mai dernier. Au cours de cet échange, Edwards a rappelé ses nombreuses expériences avec Charles, y compris des voyages en Afrique, pour affirmer que le prince n'avait jamais montré de comportement raciste. « J'ai accompagné le roi à travers l'Afrique et l'Amérique du Sud, et je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai toujours apprécié la compagnie de ces gens », a-t-il ajouté. Depuis cette interview avec Oprah Winfrey, Harry et Meghan ont fait plusieurs apparitions médiatiques controversées, révélant d'autres secrets de famille. Ces déclarations publiques ont malheureusement détérioré leur relation avec la famille royale britannique. Pour regagner leur confiance, le prince Harry et Meghan Markle devront faire preuve de discrétion et présenter des excuses. C'est du moins ce qu'a suggéré le commentateur royal Richard Fitzwilliams au Mirror le 20 mai dernier. S'ils veulent réussir et non seulement survivre, ils doivent éviter de critiquer la famille royale, a expliqué Fitzwilliams. Il a ajouté « Leurs attaques ont nui à leur popularité ainsi qu'à celle de la famille royale et les ont fait paraître très destructeurs et hypocrites sur la question de la vie privée. » Pour Harry et Meghan, le chemin vers la réconciliation est semé d'embûches. Les tensions exacerbées par leurs révélations ont creusé un fossé profond avec la famille royale. La réconciliation nécessitera probablement des excuses et une période prolongée de discrétion pour reconstruire la confiance. Les déclarations des Sussex ont mis en lumière les défis auxquels la famille royale est confrontée dans le monde moderne. Les accusations de racisme et les tensions internes soulignent la nécessité pour la monarchie de se moderniser et de répondre aux préoccupations contemporaines de manière transparente et inclusive. L'interview avec Oprah Winfrey a marqué un tournant décisif dans les relations entre Harry, Meghan et le reste de la famille royale. Alors que le couple continue de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie publique, la possibilité d'une réconciliation reste incertaine. Cependant, des efforts sincères pour réparer les liens et éviter les controverses pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération et de compréhension au sein de la monarchie britannique.